Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous montrer mon évolution capillaire. Ça fait aujourd'hui pratiquement un an, sept mois que je suis retournée au naturel et je suis contente du résultat. Donc ici, je me suis faite des tresses au fil que je vais détacher et vous montrer à quel niveau j'en suis. Mais avant de passer à la vidéo, je vous annonce mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. Dans le guide, vous avez une recette de traitement de cheveux à base des meilleures huiles végétales. Vous avez une recette de shampoing 100% naturel à base d'ingrédients qui vont laver vos cheveux en douceur. Vous avez une recette de masque capillaire qui va nourrir vos cheveux en profondeur, leur apporter souplesse et brillance. Et vous avez finalement une recette de lotion hydratante à base d'ingrédients qui vont pénétrer au cœur de vos cheveux pour vous aider à maintenir l'hydratation et à la garder plus longtemps. C'est une routine qui est faite à base d'ingrédients naturels que vous trouvez facilement autour de vous ou dans votre cuisine. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran pour télécharger votre guide. Vous êtes déjà nombreuses à l'avoir testé et approuvé. Plus de 50 000 personnes l'ont téléchargé. Je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux. Donc, si vous n'avez pas encore bénéficié de ce guide gratuit, je vous invite à le télécharger. Ici, j'ai fini de détacher mes tresses au fil et je vais les scinder en petite branche pour que vous voyez le résultat. Là, mes cheveux sont un peu mouillés parce que j'ai fait mon shampoing sur mes tresses, donc j'ai pas pu bien les sécher à l'air libre. C'est pour ça que le résultat est un peu bombé, un peu de partout. Mais bon, je vais peigner comme ça et vous allez voir le résultat final. Maintenant que j'ai fini de les séparer en petites branches, je vais les peigner. Et donc pour peigner, je commence par les pointes. Et puis je remonte vers les racines. Ici, je viens de peigner mes cheveux et voilà le résultat final. Je suis contente du résultat et je tiens à préciser que ça fait un an, 7 mois que je suis retenue au naturel et je suis contente du résultat. Je tiens à aller au bout pour avoir plus de résultats que celui-ci. Voilà, j'ai constaté que mes pointes ont commencé à s'abîmer parce que quand je détachais, j'ai constaté qu'il y avait quelques nœuds, donc il me faut les tailler pour les garder saines. Et j'espère que je ferai une vidéo en ce moment-là pour vous montrer comment vous pourrez tailler vos cheveux chez vous. Tant que j'y suis, je me rappelle avoir fait une vidéo concernant les tresses au fil, plus précisément les bantu knots, comme vous l'avez demandé. Mais cette vidéo n'a pas été montée par Etini, mais j'espère qu'elle le fera les jours à venir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!